Bah maintenant, je vais accueillir une autre créature de rêve, Yves Pirès, que je vous demande d'applaudir très très fort. Bonjour Yves, tu es une créature de rêve toi aussi, hein? Oui, absolument. Alors Yves, que penses-tu de cette créature de rêve qui vient de passer comme ça? Ah, elle est sublime. Et sublime. Que penses-tu d'Isabelle? La même chose. La même chose. Attends, mets ton micro comme ça, sinon on ne va pas t'entendre. Ouais, ouais. Bon, alors tu es là pour parler de tes sculptures. Un petit peu, oui. Hein, bon, il y a un petit sujet. Non, mais tu peux en parler avant, on va lancer le sujet. Oui, bon, d'accord. Ouais. Donc, on peut voir tes sculptures où? Alors, Galerie Art Club, en fait, c'est une grande galerie qui est rue de Rivoli, en face du Louvre. En face du Louvre. En face du Louvre. Ça a démarré quand? Ça a démarré le 4 décembre et c'est jusqu'au 25 décembre. Jusqu'au 25 décembre. Donc, vous avez jusqu'à Noël pour voir les sculptures des Pirès, que j'adore personnellement, qui sont très sympas. Allez-y. Alors, il y a un petit sujet, c'est ça? Il y a un petit sujet, oui, qu'on va regarder avec ensemble. Tu peux le lancer? Hein? Ça pourrait être sympa de voir les sculptures des Pirès. Ça arrive? Comment s'appelle le réalisateur aujourd'hui? Victor, est-ce que tu peux lancer le sujet sur les sculptures? Ah, bon. Le lecteur de DVD ne fonctionne pas. Ah, alors le lecteur de DVD ne fonctionne pas. Bon, Victor, il n'a jamais fait le JJDA. Bon, ok. Tu veux pas l'aider, toi? Tu sais pas comment ça. Parce que là, on est comme deux crétins. Voilà. Hein. Donc, tu vas parler de tes sculptures, alors? Absolument. Ah, ça y est, ça marche? Ah, bah, allez. Donc c'est une exposition de bronze du 4 au 25 décembre 2010. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Il y a cette année des résines, une matière que j'utilisais pas jusqu'à présent, des résines qui sont peintes en peinture nacrée. C'est assez intéressant, assez joli. J'espère que ça vous plaira. Comme vous pouvez le découvrir, mon sujet de prédilection, c'est la femme. Un sujet inépuisable et qui, de tout temps, restera captivant. T'as tout expliqué là, hein? Oui, tout était effectivement dans la fait petite vidéo. Tu es sculpteur? En fait, j'ai toujours été. J'ai commencé tout petit par tout faire petit, des petits Mickey. Très très grand. Des Mickey, bah, ouais. J'ai grandi encore même. Oui, mais tu sculptes souvent des femmes, pourquoi? Je sais pas pourquoi en fait. Tu es très attiré par la femme? Peut-être le fait de te connaître depuis longtemps et de voir les personnes qui t'entourent. Ah, d'accord. Est-ce que tu pourrais sculpter Isabelle par exemple? Je pense que c'est possible. Tu peux lui demander de se mettre nue pour la sculpter ou habiller? Tu peux faire un effort? Ça devrait aller. Bon, bah allez-y, c'est sympa, c'est les sculptures d'Yves Pirès. Merci d'être passé, on l'applaudit très très fort. Salut Yves, à bientôt. À bientôt.